Bonjour à vous YouTube et bienvenue sur la suite de Zelda The Wind Waker. J'espère que vous allez bien. Nous, il est 16h, donc on va se prendre un petit goûter ensemble et on va... Ah non, j'ai cru que ça allait, ça marchait pas la manette, mais en fait tout va bien. Donc on continue, c'est parti. C'est parti pour 2h de The Wind Waker. Et on en était là. Donc on avait récupéré... Alors je vais peut-être baisser un tout mini peu le son. Voilà, nickel. On avait récupéré donc l'arc, donc il va nous permettre de taper à l'arc tout simplement. Et là, on doit se rendre. Hey Unerva, salut Dark Riffle, bienvenue à toi. Ça va très bien, écoute, merci beaucoup. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vais te poser la question à Monsieur Lion Rouge. Eh bien, entre vite dans la forteresse maudite pour aller délivrer ta sœur. Ok, donc là il n'y a pas de. D'accord, faut que j'aille directement dans la forteresse maudite qui est ici, je crois. Ouais, c'est ça. Donc le vent est dans la bonne direction. Et bah allons-y. Ok, je me suis trompé de touche, c'était normal. C'est parti. Donc on a juste à suivre le vent. Si on recroise la grosse tornade, il faudra pas hésiter à lui taper dessus. Enfin avec les flèches, puisque maintenant on pourra. Si vous vous souvenez dans les épisodes précédents, on en était là, il fallait. On avait croisé en fait la grosse tornade. Moi j'avais jeté des bombes dessus comme un gros noob. Et en fait on m'a dit qu'il fallait seulement l'arc pour taper dedans. Donc j'aimerais bien la recroiser. En attendant bien sûr, ce qu'on va essayer de faire aussi c'est essayer de nourrir le poisson pour pouvoir explorer un peu la carte. On n'est pas beaucoup tout d'ailleurs. C'est normal, c'est le début, il faut attendre que les gens arrivent. Personne n'est jamais à l'heure de toute façon. Ça c'est une forteresse de méchants je crois. Mais maintenant j'ai de quoi les attaquer en fait. Faudrait que je reprenne. Alors je sais pas si je peux les attaquer à l'arc. Oula. Non, je pense que l'arc ça pue. On va peut-être pas s'aventurer là tout de suite. Quoique si vous savez quoi, j'ai envie d'attaquer. Moi j'ai envie d'attaquer, je suis un ouf. On va juste troquer l'arc pour les bombes. Voilà. Et on va attaquer. Salut Grammer, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de vous revoir tous au rendez-vous pour me soutenir dans mon aventure. Alors on va essayer de viser bien. Ok, donc pas comme ça. Un peu plus haut. Tiens, il va me toucher avant. Là j'ai vraiment l'impression que c'est un combat d'autiste. Oh putain, faut que je bouge. Holy. Heureusement que j'ai 99 bombes hein. Ok, vous savez quoi, on va se rapprocher. On va se rapprocher, voilà, comme ça. Et puis on va juste tirer dessus comme ça, vas-y. Putain, je pue la merde. Je pue la merde, ça y est. Ah, j'ai touché. What? C'est bon. Ah mais ta mère, mais meurt quoi. Oh. Ça va se faire, ça va le faire, ça va le faire. Non mais, tais-toi Lion Rouge. Tu vois pas qu'on est en plein, hein. Bon. Le mec, il a tellement raconté ce qu'il faisait. Oh, tourne. Oh putain. Celle-là, elle était pour vous, les viewers. Vous voulez être pris dans la tronche. Ok, nice. Moi, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a des secrets, il y a des. Ah, il y a plein de trucs à les récupérer. Merde, je me trouve toujours de touche. Faut que je fasse espace. Espace. Voilà. Hein, vous m'avez compris. Je crois pas que là, je sois bon. Tu peux te rapprocher d'un IA et tu crois pas comme ça. Ah ouais? Matinol Chad. Bonjour. Ah voilà, ça c'est un bonjour qui est enjoué, vous voyez. Ça c'est une jeune fille qui est contente de venir. Et ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ouais, de la thune. Best sniper EU. MLG Noscope. T'inquiète. Konnichiwa. Ah, si vous commencez à parler japonais sur mon chat, ça va vraiment être cool. Tout le monde aime la langue japonaise. Qui n'aime pas la langue? Personne ne la comprend, mais tout le monde l'aime, évidemment. Ça rame un mort chez moi. Ah bah, si vous avez des petites connexions, c'est sûr que ça va être compliqué. Un rubis violet vaut 50 rubis verts. Ah, c'est fantastique. Bon, s'il y a que des rubis, par contre, ça va me gaver. Hein. Mais je pense qu'il y a que des rubis. Je pense qu'il y a que des rubis. On va juste faire le dernier, là, parce que... Voilà, on va juste voir, je pense qu'il y a que des rubis. Par contre, forteresse totalement sans défense hein. J'aurais eu mon compte plus tôt, je t'aurais quand même suivi une Erva.
De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pour la comprendre, faut la prendre. Baka. C'est vrai. Un rubis rouge, on va voir un rubis vert. Ok, c'est de la grosse merde. Oh, pas de connexion. Bon, ouais, il faut qu'on quitte l'endroit là, mais contre le vent, c'est un peu chiant. Mais ça va, après, on va dans la bonne direction, donc tout va bien. Ah, c'est vrai qu'on peut monter sur le. Là, vous voyez, on peut monter dessus, je crois. Ouais. Par contre, je suis vraiment contre le vent. Allez. Fais un effort. Fais un effort. Voilà, nickel, on est reparti. Alors, j'aurais un truc à vous dire à la fin du live, je pense. Alors, soit à la fin, soit au. Soit au milieu, enfin à la pause, enfin pas à la pause mais quand ce sera 17h je pense que je ferai une petite annonce sympathique. Enfin pas sympathique mais voilà, une petite annonce sympa. T'es au niveau du jeu, t'as fait toutes les quêtes secondaires. Alors pas du tout, alors là en fait je suis vraiment, je pense que je suis au milieu du jeu. On a récupéré les 3 perles et on a été dans le phare là-bas là, le phare des dieux, je sais plus quoi. On a été pour la première fois à Hyrule. Et on a récupéré la... On a récupéré la merde. L'épée. Voilà. Merci. Putain. C'est quoi l'annonce de Marie? Tu es enceinte. Je suis enceinte, oui. C'est ça. Je suis enceinte. Vous le saviez pas. Une annonce. Non mais vous emballez pas, hein, c'est rien. Hein. Genre c'est vraiment rien en plus. Hein. Genre tellement rien que. Genre c'est pas genre en mode. L'épée de légende. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est le requin, mais on s'en fout de ça, il est trop nul, regardez. Hop là! Il me fonçait même pas dessus le truc. J'ai fini le jeu 4 fois minimum. Alors quand j'étais petit, j'ai dû le finir au moins 2 ou 3 fois, je pense. Ouais, couche. Alors le truc, c'est. Je vous le dis maintenant, du coup, parce que de toute façon, c'est pas très important. Je serai jeudi au Meltdown de Grenoble. Pour un tournoi 2v2 sur League of Legends. Donc si vous habitez vers Grenoble, vous pourrez venir me rencontrer. Je serai avec Nairou parce qu'elle m'a gentiment invité à faire un tournoi 2v2 avec elle. Donc du coup je serai avec Nairou et toute la clique des anciens de Gaming Room TV. Voilà, c'est ça l'annonce, c'est super hein, c'est vraiment une annonce incroyable hein. Là, donc s'il y en a qui sont grenoblois ou vers Grenoble et qui veulent me rencontrer, bah, je serai là-bas en forme et toujours à crier. C'est cool, j'y serai pas. Voilà. Voilà, j'habite à Paris, voilà, vous voyez. Mais si un jour je vais à Paris, de toute façon je vous préviendrai. Wouhou. Mais là c'est pas bon. Raciste va. Je vais aller sur cette île là-bas. Alors je voulais aller sur l'île là-bas pour Mais tu vas me lâcher toi? Oh bon. Insupportable. Je voulais explorer un peu le terrain. Mais c'est pas grave, on va explorer l'île là-bas. Mais arrête de... En plus tu sais pas viser, alors arrête de t'acharner, c'est bon au bout d'un moment. Ah regardez, c'est ça que je voulais. Oh, vite, vite. Ah, je me trompe encore de touche. Vite. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit sur le live d'avant, il faut tirer à l'arc là-dessus. Donc go. On y va, on s'en fout. Ah bah voilà, ce sera la Paris Games Week. Il y a de fortes chances que je sois à la Paris Games Week cette année parce qu'avec DigiWave on y sera sûrement. Donc du coup il y a de fortes chances que j'y serai. Et je serai aussi sûrement à... Je serai sûrement aussi à des cubes et des pioches 2 à Tarbes. Qui est la convention Minecraft. On y sera avec DigiWave. Meurs créature de Satan dans ton nuage. Ah c'est bon, je l'ai eu, trop bien. Japan Expo Sud. Japan Expo, je sais pas si... Je pense pas, j'en sais rien. En tout cas, cette année, je serai sans doute... Je serai alors sans doute à... Sans doute à la à Décube des Pioches, sans doute à Paris Games Week, très certainement, voire obligatoirement à la Lyon eSport, du coup. Et voilà, je vous dirai ça le temps venu. Tu es habile, dis-moi. Ah oui, je suis habile, qu'est-ce que tu vas me faire? Jusqu'ici, personne n'avait résisté à ma force. J'ai vu que tu savais contrôler le vent. Alors peux-tu utiliser ceci? Et là il va me donner le truc pour me déplacer. Oh putain! Attends, il m'a pas donné le truc là. Et il faut que je me souvienne dans mes souvenirs. Attends, c'est quoi?
Waouh, calme-toi. Pourquoi y'a Julien Lepers sur le côté? C'est une grande histoire d'amour entre Julien Lepers. Attends, c'est quoi? Calme-toi. Alors en fait, Julien Lepers, ça vient de mes lives d'avant, quand j'étais pas avant sur G-Wave, je faisais des lives avec Julien Lepers parce que c'était mon coach sportif. Là-bas. Et du coup, je l'ai laissé dans un coin parce que j'aime beaucoup Julien Lepers, il me fait trop rire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regarde bien, je te montre encore une fois. Ok. Alors attends, on va regarder cette fois. Bas, droite, gauche, haut. Ok, tout simplement, droit, bas, gauche, haut. Ok, droit, bas, gauche, haut. Putain! Non mais attends, c'est pas ça, c'était pas... Mais... Alors, je vais vous expliquer pourquoi je galère. Parce que je joue en inversé droite-gauche. Du coup, quand je mets droite, en fait, il va à gauche. Et quand je mets droite, il va... Ah! Mais ta mère! C'était ça. Attendez. Ouais, je sais, je galère sur un truc qu'on devrait pas galérer dessus, mais vous inquiétez pas. Bas, droite, gauche, haut. Ouais, je sais. Ils sont tous là. Putain, mais t'es con, quoi. Bas, droite, gauche, haut. Voilà, c'est juste parce que du coup, c'est inversé. Donc, il faut que je... Déjà, je joue avec ça, donc c'est super chiant. Et en plus, c'est inversé, donc c'est trop relou. Faut juste que je m'y refasse, quoi. Pourquoi toujours en inversé? Parce que j'ai toujours joué en inversé quand j'étais petit. Mais tornades dans le plaisir. Donc là, on a débloqué des tornades qui nous permettent de nous déplacer plus vite. Pourquoi je joue en inversé? Parce que j'ai toujours été habitué à ça en fait depuis que je suis tout petit. Je joue en inversé. Et du coup voilà. Voyez, regarde. Par exemple, du coup, quand je... Ah, du coup, il m'a eu l'autre. Par exemple, du coup, quand je... Putain. Oh merde. Oh fuck. C'est bon, tout va bien. Non mais par contre casse-toi. Non mais lui il m'a tellement gavé. Ah mais il m'a tellement saoulé. Mais tu vas tellement ramasser mais toute ta vie quoi. Toute ta vie. Ouais trop marrant. Allez, il reste bien en chien. Alors du coup vous voyez, quand je mets le stick vers la droite, bah du coup la caméra se décale vers la gauche, et le contraire. C'est vachement plus normal en fait. Pour moi c'est vachement plus normal. C'est juste un truc que j'ai fait. Moi je joue pas en inversé comme ça. Putain mais calme. Bon, attends mais on revient pas en arrière là. Ah non. Et du coup j'ai pas exploré la... Putain mais c'est... Waouh. Là-bas, c'est la forteresse modée. Du coup, on a rien exploré du tout, donc c'est de la merde. Qui veut la collection de crâne? Qui veut une collection? Qui? Alors? Non, mais barrez-vous avec vos putains de tonneaux partout. Là. En fait, t'as l'impression d'être le caméraman. Bah, ouais, mais ça, c'est à cause de mes études. Je peux pas m'empêcher de filmer des trucs, vous voyez. Ça, je me sens vachement perturbé, vous voyez. Là, on se met en petite. En petite vue tranquille, voilà. T'as vu ici. Bon, je vais encore raconter ma vie pendant 2 heures, du coup, j'imagine. Parce que maintenant, The Wind Waker, c'est devenu... en fait, c'est une Ava raconte sa vie et elle essaie de sauter sur des plateformes simulateurs, vous voyez. C'est un peu devenu ça, The Wind Waker. Oui, il va se mettre à pleuvoir, j'imagine. Voilà. Non, c'est la nuit. Il y a une petite île qui nécessite le truc des tornades, il y a un truc spécial. Ah ouais? Ah ouais, mais du coup, dites-moi les secrets du jeu et tout, parce que moi, je m'en souviens pas, j'étais trop petit quand j'ai joué à ça. Mais je veux bien tous les secrets du truc quoi. Wow, on se calme hein. Comment je fais là? Faut que je tire dessus avec la... avec les bombes. Oh putain c'était ça. Putain mais Minerva t'es un génie, mais comment tu fais pour trouver ce genre de choses? Mais c'est très simple en fait. À l'ouest de Mercantile. Ok bah on ira après, tu sais quoi. Faudrait que tu me le rappelles, mais on ira après. C'est une bonne idée. J'avoue. Ganon sait sans doute déjà que nous sommes infiltrés ici. Bienvenue sur DigiWave TV. Dark Riffle, mais tu t'es pas déjà abonné à DigiWave TV toi? Ah bon? Ok, on va délivrer notre sœur, n'ayez aucune crainte. Elle est quand même
Elle respire tellement la classe et le swag, c'est épais, regardez-moi. Regardez-moi, regardez ça. Bon bref, on y va. Oh putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça, moi. Ah oui, c'est là qu'on va... What fuck? C'est là qu'on va récupérer le gros maillet pour taper sur les trucs. Waouh. Ok, Ah ouais, non, mais calme-toi, machin, là. Non, ta chaîne perso. Ah oui, c'est possible, ça. Bah, bienvenue à toi sur la TV télévision, alors installe-toi confortablement et... Ah oui, attendez, c'est vrai que là, il faut le faire en mode Star Wars. Star Wars, ma gueule, vous êtes prêts? Allez! Oh! Trop marrant! On se fait un petit tennis? Allez! Au calme, ma gueule! Oh merde. Le petit tennis, ma gueule, tranquille, vas-y, boum! Rafael Nadal, Djokovic, Djokovic qui passe, Rafael Nadal qui continue, Rafael Nadal qui donne tout, oui, oui, il va. Ah, bah ben non, il est perdu Roland Garros. La première merde, putain. Et c'est reparti! Mais je crois qu'il faut faire autre chose parce que je crois qu'il renvoie à l'infini en fait. Allez! Dans ta gueule, ma gueule! Ouais. Oh! Faut que j'aille le taper! Vite! Et Link, dépêche-toi! Oh, j'ai pas eu le temps! J'ai trop réagi comme un demeuré. Attends, on va tester un truc. Putain, j'ai pas. Non! Tellement trop tôt. Pardon, c'est mon mauvais. Allez, voilà! Vas-y, viens là. Voilà, nickel ça, c'est bon ça. Ça marche pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Rafael Nadal, il est chaud! Oh là 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 là, incroyable, incroyable! Ah, c'est vrai que KLKG, on va dire Roger Federer. Parce que du coup, Roger Federer! Roger. Hop, la passe! Voilà, là, vous êtes d'un million. Oh merde, j'ai regardé le chat. J'ai regardé le chat. Mais Mathilde, en fait, c'était sur le site DigiWeb, c'est normal qu'il n'y ait pas de bouton follow. Vous êtes sur Twitch. Tu cliques sur le lecteur et ça passe. Tu arriveras sur Twitch. Et là, tu pourras follow. Follow. Mais normalement, t'es sur Twitch parce que t'as dû suivre le lien. Ouais, c'est ça, rigole, tant que tu peux rigoler. Vas-y, rigole. Oh, nice. Ça sent l'objet cool. Oh yeah, la masse. Nice. Alors par contre du coup, je me souviens d'un endroit où il y avait l'utilité de cette masse, mais je sais plus où c'était. Est-ce que vous vous en souvenez? Oh, oh putain. Il m'a fait tellement peur, j'étais en mode... J'entendais... Oh non. Mais ils sont trop mignons, putain. Mais j'ai pas envie de vous taper, vous êtes trop chou. Par contre, arrêtez, hein. Au bout d'un moment, c'est chiant. Quoi. Il y a plein d'endroits avec l'utilité. Bah ouais, tu m'étonnes, putain. Moi, je pose des questions à la con. Je me suis trompé de touche, évidemment. Non, mais arrêtez les nanas, là. Putain, ils sont trop choux. Quoi? Non, mais arrête de me suivre, la lumière, là. Oui, parce que je me suis mis dans la lumière comme un TP, mais... Par contre, fallait pas que du coup j'aille à la porte. Je sais pas, moi je suis monté là instinctivement parce qu'il y avait la masse, mais en fait il y a la porte qui s'est ouverte là-bas donc allons-y. T'es à la ramasse? Je trouve ça drôle. Oh putain, elles ont pété des câbles les souris. Putain, les souris elles ont pété des câbles, ça y est, c'est officiel. Bon. Oh putain.
Best esquive de ma vie. Bonjour. C'est pour le... Voilà, l'inspection des impôts. Alors apparemment... Hein? Bon bah vous êtes mort. On va prendre ça. Des souris terroristes. Ah la souris! Tchop-pum! Trop marrant, ça lui a rien fait. Putain comment on les défonce maintenant hein. Yeah. J'adore jeter des trucs dans ce... Je crois que je pourrais passer ma vie à jouer à ce jeu, mais juste pour jeter des trucs. Des caisses, des machins, des... Je pourrais passer ma vie à faire ça. Ça m'éclaterait trop en fait à chaque fois. Bon. N'oubliez pas les viewers, hein. Vous êtes là pour m'aider et si jamais je suis... What the fuck? Oh! De sa mère, fallait pas y aller. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ah les mecs te foutent en prison mais ils t'enlèvent pas ton épée, ils t'enlèvent pas tes bombes, ils t'enlèvent rien. Ils sont là en mode tranquille. Ah bah tiens, j'ai pas du tout compris qu'il y avait un truc là quoi. Rampé. RIP. RIP une pepperoni. Je suis RP. Ah non, va falloir que j'utilise le grappin là. Ou un truc comme ça. Non, même pas. Alors c'est quoi le... Ah non, c'est la feuille. Mais au pire je tombe, non. Tu vois, je sais pas du tout où faut que j'aille en fait. C'est ça le problème. On va essayer de retourner là où on était. On va essayer de retourner là où j'étais. J'ai hâte de retourner au lycée. Ah bah moi non, parce que je suis plus au lycée depuis tellement longtemps maintenant. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce que la rentrée rentrera que moi je serai plus là, tu vois. Je serai le petit bonheur d'après le d'après les cours. Bon, est-ce qu'on redescend et on recommence tout? Parce que là du coup je sais pas où je suis et je pense que je suis pas du tout au bon endroit. Vous voyez? Je sens qu'on va encore se balader pendant des heures sans jamais trouver ce qu'il faut faire parce que je suis un débilos. Mais déjà il faut monter, c'est sûr. Donc là je suis sur la bonne voie. T'as pas une carte? Si j'ai une carte mais pff, ça me gave. J'ai la flemme d'appuyer sur start. Allez, lève-toi! Lève-toi et meurs. T'es mort là? Voilà, c'est bien. Maintenant. Eh, hey, Minerva! Ouais! Dis-moi tout! Oui! Le mec m'interpelle et tout, moi je réponds. C'est nul là! Nya! Hey! Listen! Non, rien, trop marrant. Putain, les meilleures blagues quoi. Vous êtes les meilleurs, vous faites vraiment les meilleures blagues. Hein. J'ai de la chance de vous avoir. Yaha! Bon, c'est chiant. C'est chiant, je pense que je vais retourner en bas là. Parce que là, je sais pas où je vais. Hein, et ouais. Je vais retourner tout en bas, ça va y aller. Salut! Wouhou! Putain de bouton qui veut pas s'afficher. Relou, je trouvais la best vidéo eu. Ça doit être sur ma chaîne YouTube alors. Bref. Bon, salut les. Ouais, j'ai pas le temps de jouer avec vous. Bisous. Non mais. Arrêtez. Vous êtes très énervante. J'ai pas le temps de jouer avec vous, j'ai dit. Non mais ils ont ripop, mais cassez-vous. Mais va bien mourir, toi. Minerva la solitude. Solitude, bien sûr, j'ai dit solitude, bien sûr. Bonjour.
C'est encore pour les impôts. Apparemment, vous êtes vraiment. Voilà. Vous voyez pas du tout. Putain, mais eux en fait ils drop tellement. Enfin, c'est. Les tuer à la chaîne, c'est le meilleur moyen de farmer dans le jeu. Quoi. Parce qu'ils drop un. Ils drop une boule à chaque fois ou. Ça se passe comment là. Eh oui! Trop bien. Ceci dit, ce que je ramasse, je sais pas à quoi ça sert, mais je le ramasse. Et ouais, dans les deux cas, ça marche. Bah sinon, pour. Du coup, faut que je fasse attention à ça. Attendez, attendez. Mais viens bien mourir, toi! On va tenter un truc. De style intelligence. Vous voyez? Genre ça. Ça n'a pas marché. Alors est-ce qu'il faut que la main sorte? Voilà! Chope la bombe. Non? Oh what the fuck! Oh oui il l'a eu! Oh non! What? Mais cheater! Oh je l'ai brain. Allez, salut, à plus, un bisou. Bon, ça c'était fait. Bonjour les impôts. Désolé mais bon. Je suis désolé, mais dans le château, vous êtes tous à. Salut Sam! Putain, j'espère que t'arrives à avoir une collection ou que t'arrives à me regarder. Parce que... Tu sais que ça? Eh, j'espère que c'est par là, hein, sinon je me tire une balle. Hein. Bonjour, c'est les impôts! Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, what? Mais c'est pété un câble ce jeu, putain! Mais what? Mais ce jeu, mais. C'est bon? C'est fini? Un rubis jaune. Un rubis jaune vaut 10 rubis verts. C'est super. N'est-il pas? Mais non, mais pas ici, Dio. Non plus. Pas ici. Non, non, t'as des problèmes, Link. Non plus! Pas ici! Tu as des problèmes, Link! Merci. M'oblige pas à t'appeler Zelda, ça va me gaver. Ça va gaver tout le monde et après tout le monde va être énervé et voilà, ce sera ta faute. Bon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Regardez! Headshot! 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 Buttshot! Non! Headshot! Bon, il meurt là ou. Ah, bah quand même! Du coup, moi je vais aller là-bas! Est-ce qu'il faut utiliser la feuille? Eh oui, sans doute. Alors, utilisons la feuille. Mettons-la là. Et go! On s'envole! On s'envole! On s'envole! C'est bon, c'est fini. Yeah. Je sais pas, moi je vais par là, j'imagine, hein, vu qu'il y a le. Hein? Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, ouais. Super. Putain, par contre, je crois que je descends. C'est de la merde. Je regarde s'il n'y a pas des échelles en fait sur les. Moi je suis un speedrunner, ma gueule. Je marche en roulant. Ce qui permet d'optimiser le temps de trajet. Bonjour. Alors ici aussi on paye pas ses impôts. Enfin ici non plus, pardon. Bon bah salut hein. Bisous. Ah oui, mais je me rappelle ici. Effectivement. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, lorsqu'on est arrivé la première fois dans la forteresse maudite, nous n'avions pas d'armes. Et du coup, ces créatures étaient horriblement dures à combattre, parce qu'il fallait les éviter. Mais maintenant, on s'en fout, on les défonce complètement. Et du coup, bah, parce qu'on a gagné du level, du coup, tout va bien, quoi. Oh, il y a les mignons. Vous êtes trop chou. Désolé de vous tuer, mais vous êtes trop chou. Gagné. Malheureusement, je dois partir, mais c'est plus facile. Et bah, à plus sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Hop, hop. Oh, 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 doucement, Luc. Yama. On dirait vous, le Suisse Marais. Regardez, vous êtes des followers. Regardez. Bon, lui, il a un peu du mal. Lui c'est un peu un. C'est un espèce de LKG, vous voyez. Ouais, lui, c'est un petit peu. C'est un espèce de LKG, lui. Il mongolise totalement dans le mur, c'est pas grave. Gna 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 gna.
Ah, et Targaflip qui a tenté une commande dans le chat, bravo, félicitations. Calmez-vous les followers, calmez-vous. Je vous aime bien, mais il y a des limites. Hein. Mais arrêtez de me suivre, putain. Oh, c'est insupportable. Oh, mais calme-toi, LKG. Bon, ça m'a gavé. Moi, je vais aussi. Voilà. Claque-toi. Voilà. Bonjour, désolé du retard, maître. J'étais en game. Y'a pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien. Maître. J'adore. J'adore quand vous m'appelez comme ça. Ça me fait vraiment super plaisir. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. On me dirait. C'est Julien Lepers. Alors Mathilde qui n'arrive pas à follow Digi West Télévision, c'est quand même incroyable parce qu'elle n'a pas de... Oh le jeu? T'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais le jeu... Mais non, je vais pas... J'ai pas envie de tout remonter, mais... J'ai pas envie quoi! Mais arrête! Mais putain! Mais j'ai pas envie de tout les retaper! Mais non, bah, je m'en fous! Hein. Bonjour! C'est pour les impôts, mais c'est bon, vous avez déjà payé, c'est bon, c'est réglé. Salut! Mais t'es sérieux le jeu là? Putain, non! Non, 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 casse-toi! Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, bonjour! Bonjour, 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 bonjour. Non, 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 j'ai pas le temps non plus pour ça. Hein. C'est pas à cause de la lumière. C'est fort probable. J'ai pas du tout fait attention à ça. Mais c'est fort probable que ce soit ça d'ailleurs. On essaiera de faire. De faire plus attention. Hein, voilà. Voilà, bonjour. Ouais, ouais, doucement, eh, doucement. Ah, c'est vrai que l'outil va être là du coup. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Allez hop, on y retourne. C'est pas la bonne. C'était à côté. C'est encore à côté. C'est bon, on y va. Ne vous inquiétez pas, dans 10-12 ans, je vous propose un speedrun, sans problème, easy shit. Tranquille, tranquille. Mais j'avoue que j'ai pas fait attention à la lumière. Bonjour, comment ça va? Non, j'ai pas le temps. Pourquoi il y a un décalage entre le chat sur Twitch et son écran? Et bah parce que c'est normal en fait. Quand tu live, c'est pas du direct direct. Il y a un petit décalage de 20 secondes je crois. Parce qu'il faut bien le temps que mes données soient envoyées entre de moi jusqu'à vous. Et que vous les receviez. C'est ça la magie du live. Du coup j'ai un temps d'avance sur vous. C'est-à-dire que... Quand je fais des trucs et je dis genre merde, j'ai fait de la merde, bah vous, le temps que vous réagissiez, moi je suis déjà ailleurs. Et ouais. C'est beau quand même, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va sauvegarder là. Comme ça. Comme ça, si jamais c'est de la merde, et bah. Alors là. C'est bon. On va faire attention à la. Oh putain, je sens qu'elle va me revenir dessus là. Mais attends, c'est super dur. Parce que là, j'ai pas le temps de traverser ici. Go! On trace. Mais je peux pas me cacher en fait, regarde, c'est pas possible, je peux pas me cacher. Il m'a clairement vu, hein. On va tenter un truc. Alors, je sais que ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va me dégoûter. Oh putain. On se tire! Oh putain! Cassez-vous les followers là!
Normalement tu dois aller éteindre les lumières. Ah ouais? Bah voilà, j'ai speedrunné le jeu. Je suis un ouf. Moi je suis un ouf, moi. Moi je prends pas le temps. Touillette. Salut à toi, Touillette. 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 Bonjour. C'est pour les impôts. Je viens prélever les impôts. Vous avez bien quelque chose pour moi, non? Le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans la forteresse en train de taper tout le monde. Mais il fait attention quand il rentre, genre en mode peut-être qu'ils m'ont pas vu. Moment feels. Grand frère! Tu vas bien? Il parle pas, hein. Comme je suis contente. Ouais, ouvre la porte, ouais. Cette porte ne s'ouvre pas. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous auriez pas pu me dire que vous étiez là? Tu es vraiment incorrigible. Oh, 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 tu vas te calmer tout de suite là. Si nous n'avions pas attiré l'attention de cet énorme oiseau, tu aurais encore fini dans les airs comme la dernière fois. Tétra la peste. Qu'est-ce que t'as, voilà? Mais cette épée. Où l'as-tu trouvé? Tu n'es pas. Pas possible. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas emmener ces jeunes filles avec nous. Leur père en ville nous donneront une belle récompense. Ah, je crois que j'ai dit nous n'allons pas alors qu'il a dit il a dû dire nous allons, évidemment. Ouais mais calmez-vous les gars, c'est bon, non? Tu vas pouvoir aller jouer avec tes mouettes. Excusez-moi d'abréger une scène aussi émouvante, mais... Qu'est-ce qu'il y a là? Je crois que tu as encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? On va aller casser du méchant! Ne t'inquiète pas pour ta sœur, je la ramènerai en pleine santé sur votre île. Habituellement, je demande une rançon pour ce genre de service, mais pour toi, ce sera gratuit. Ah, merci, hein. J'ai pas trop d'argent. Ton grand-frère a encore quelque chose à faire, mais il reviendra bientôt. Tu vas l'attendre patiemment, d'accord? Grand-frère... Silence, femme! Écoute l'autre femme. Dans ton cul, bien. Tétra, nous devons faire vite. Cet homme, oiseau, va revenir. Gonzo, tu arrives au bon moment. Emmène celle-ci aussi. Hein? Mais elle n'était pas. Tais-toi et obéis, vu. Putain, tellement de. Grand frère! Link, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire et de rentrer, d'accord? Pas de problème, femme. Je ferai mon devoir. Tellement de violence. J'avoue. Mais Link est un enfoiré, hein. Faut pas croire. Wow, wow, wow. Ça c'est du piaf. Ok, alors on va préparer notre attirail. Ok, donc déjà la feuille c'est de la merde. On va prendre l'arc à la place. Voilà. On va essayer de monter tout en haut. Vite. Ouais, moi je m'en fous. Oh, faut vraiment que je me bouge le cul là. C'est tellement dur de d'y aller là. Ouais. Ouais, ouais, bonjour. Putain. Oh putain, casse-toi. Oh sa mère. Le mec, je lui balance tout, je m'en bats les couilles. Oh, je sais, je suis trop con. Et oui, évidemment, bah oui. Vous venez de récupérer le. C'est du Edith Piaf, putain. C'est vraiment trop drôle, hein. C'est incroyable. Le marteau. Ouais, ouais, le marteau. Ouais, ouais, évidemment, le marteau. Évidemment, le marteau, putain. On va le garder avec nous. Il respire tellement la classe, ce marteau d'ailleurs.
Ouh. Il coupe bien. Et là, il va sortir en mode waouh. Ça va être tellement, tellement beau, tellement épique, tellement waouh, tellement inattendu. Oh mon dieu, c'est inattendu. Un rond carnage. Sortez vos Pokéball, les viewers. C'est rare un oiseau comme ça. Là, c'est au moins un Mega X évolution ta mère puissance 40 Pokédex. Quoi. Il est où? Ok, c'est de la merde, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends des coups? Pourquoi je prends des coups? Pourquoi je prends des coups? L'arme de brutal légende depuis les piles, j'avoue. Ah oui, parce qu'il y a des piles en fait. Okay. Comment je fais là? Je sais pas où il est. J'avoue. Ouais ouais, t'as raison. Oh là. Et bim. Et reste bien chez toi le piaf. Regardez le gros, la grosse masse avec nous. Vas-y, reviens, reviens, pas de problème, je t'attends. Ouais ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Fais le malin. Hop. Voilà, mais t'es trop con, mais chien dans ta gueule. Faut aller au cac et attendre qu'il prenne son bec. Ah ouais, je sais, je vois ça, ouais. Je vois ça. Effectivement. Oh putain! J'avais tellement pas venu dire celui-là. Vas-y, viens, machin, là. Je t'attends. Ouais, ouais. Vous avez vu, il a une fissure. Vas-y, plante. Vous avez vu, il a une flèche dans le corps. Je lui ai mis. Elle est trop belle, la flèche. Boum! Et là, c'est bon, on l'a cassé, là, non? 40. C'est oh oh. Ah j'avoue. Mais on dirait clairement un putain de Pokémon en fait. J'avoue c'est tellement oh oh quoi. Les flammes en moins. Oh oh c'est pas un Pokémon feu. Enfin je sais pas, genre il a pas plein de flammes ton. C'est Sulfura ça. Enfin pour moi c'est pareil. Yes. Et là on va pouvoir défoncer les trucs. C'est un poulet putain. Mais c'est un putain de poulet en fait. On nous a menti depuis le début. En fait depuis le début c'est un putain de poulet. Moi je veux quand même l'avoir à l'arc, je trouve ça vachement plus classe mais bon, apparemment on peut pas. Apparemment c'est interdit. C'est le Pokémon du Père Noël. KFC. Ce soir Spartiate. Ce soir nous dînerons au KFC. Il y a du poulet au menu les gars. Ah mais moi s'il y a un choix entre la première et la deuxième version, c'est la première version, il n'y a pas de choix. Je suis désolé mais moi je suis trop vieux, moi je suis obligé d'aimer la première version. Nous on a été les premiers à jouer à Pokémon messieurs, et oui. Nous on a ouvert la voie nous, et oui monsieur. Bien sûr. Allez le poulet là, putain. Dis, y'a un KFC. Ah ouais, y'a un KFC pas très loin de chez moi. Genre tu prends le métro, t'as quelques arrêts à faire et hop t'as un KFC. C'est pas un média après mais ça se fait. Représente la Game Boy qui marche pas, j'avoue. Représente les heures et les heures sur Pokémon Rouge et puis un jour tu allumes la Game Boy, t'aimes le jeu et puis là il dit les fichiers de sauvegarde ont été corrompus. Là tu es obligé de tout recommencer et t'as grave la mort. Putain. Ça c'était trop bien ça. Oh c'est beau putain. Ah génial, de la vie. De la vie. Ouais regardez comme il est content. Le KFC c'est bondé. C'est trop bon le KFC putain. Dans ma liste des fast food y a Burger King. Là y'a KFC juste en bas. Après, il y a McDo un peu en bas. Non, il y a Subway ici. Là, il y a McDo et Quick, c'est genre. Quick! Voilà. Je sais même pas où il est, tellement qu'il répond pas quoi. Bref, allons-y. Ça a été le moment placement de produit. Ta-da-ta-da-ta-ta. Hey! Le moment placement de produit. Moi, c'est ce jeu qui m'avait fait le coup. Save corrompu jusqu'à la fin. Oh putain, la mort!
J'ai envie de manger du poulet en masse. Bah, fais-toi livrer, mon petit. Alors, LKG, c'est trop drôle parce que il me disait la dernière fois. Alors, LKG est un streamer de DigiWave que vous découvrirez juste après moi. Et en ce moment, il est tout seul chez lui et il se fait n'importe quoi à bouffer, c'est très drôle. Comme il y avait longtemps, jeune homme. Je te trouve bien téméraire pour pénétrer ainsi dans ma forteresse. Ta hardise mérite tes éloges. Mon nom est Ganondorf. Je suis le maître de cette forteresse. Trop viril, quoi. N'est-ce pas quand tu as extrait cette épée de son socle que les monstres jusqu'alors inertes se sont ranimés? Sais-tu ce que cela signifie? Cette lame a le pouvoir de repousser le mal. Mais cette même épée incarnait le sceau maudit qui immobilisait mes monstres. Et tu as brisé ce sceau. Oh putain, il est ouf. Attends, c'est un moment important de l'histoire. Calmez-vous tous, d'accord? Attention, attention, attention. Et la claque dans ta gueule, petit morpion là. Ça le morveux. Tu n'as aucune chance de me vaincre avec cette épée qui a perdu son pouvoir. Retourne dans l'autre monde prévenir tes semblables. Dis-leur que les jeux sont faits. Et que rien ne va plus. Bon, bon. À chaque fois que je vais en Allemagne, je vais à Burger King. Bah, y en a deux à Lyon, alors j'ai de la chance. Il y en a un à 10 minutes de chez moi. Hors d'ici, Link! Oh putain, voilà, oh, tatane dans ta gueule. Tu vas pas voler celle-là. Ah, ne. Lâchez-moi! Misérable vermine. Hein? Ma pierre de force résonne. Je t'ai retrouvé, princesse Zelda. Que... Zelda? Que voulez-vous dire? Inutile de mentir. Tu ne porterais pas cette triforce si tu n'étais pas Zelda. Allez, voilà comment on vole un mec. Alors, reste bien chez toi, mec, hein, tranquille. Chope la mort, garde la pêche, hein, tranquille. Le dragon, le gros dragon qui on lui a la queue du dragon, vous vous souvenez? Si vous vous souvenez pas, vous avez encore des vidéos YouTube à regarder. Oh, ce qui lui a mis cher, hein. Et là, c'est la fin, et voilà, ça finit comme ça. Ça sera tellement triste. Ta 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 ta. Ne t'inquiète pas, Link, elle s'est juste évanouie. Quant à ta sœur, elle a quitté l'île avec tes pirates et elle est en sécurité, tout va bien. Reste en chien, Ganon. Vénérable Valou, ma gratitude sera éternelle. Je parle tellement bien le dragon, putain. J'en suis conscient. Je crois d'ailleurs que le plus important dans l'immédiat est d'éloigner ces jeunes gens de Ganon. Ganon, putain, j'arrive jamais à me décider. Vous avez vu ses ailes? Les ailes de fée, ça mordicule. Putain, je trouve ça tellement fou. Regardez-vous ça! Ce qui pèse 40 millions de kilos, il a des ailes, c'est des... Regardez, vous avez vu? Genre, c'est comme si moi, mes ailes, c'était des post-it, vous voyez? Je vais mettre des post-it là, puis je vais voler, moi aussi, vous allez voir. Regardez. Oh putain, ça... Non, je plaisante, ça marche pas, en fait, j'étais en train de... Ouais. Nous allons redescendre dans le monde au-dessous des flots. Tu auras fini le jeu, tu auras dit invisible, bizarre. Ah oui, c'est vrai ça, je crois. Non? Oui, non? Oh, je sais plus si c'est vrai. J'en sais rien. Je me souviens tellement peu de ce jeu en fait. Ce genre de jeu, j'y ai joué tellement de fois, mais je m'en souviens pas en fait. Aïe aïe aïe! Link, tu es sain et sauf. Mais où sommes-nous? Et. Où en es-tu avec ce fameux Ganondorf?
À condition de faire le jeu en mode héroïque. Mais je crois que sur la version GameCube, il n'y a pas de différents modes de jeu. Link, que fais-tu? Dépêche-toi de retourner à la salle où tu as trouvé Excalibur. Ah bon? Il peut utiliser cette amulette. Mais qui es-tu donc? Cette amulette ne permet qu'à Link et moi de communiquer. Tu n'as pas le droit d'utiliser comme ça. Tu es donc Tetra. Viens me trouver avec Link. Qui est donc cet étrange personnage? Non mais pour qui te se prend? Très bien, j'arrive. Et tu vas voir ce que tu vas voir. T'as la confiance, elle, hein. Link, qu'est-ce que tu attends? Amène-moi donc voir ce malotru. Pour le chat, j'ai deux questions. Bon, on va arrêter là pour l'épisode sur YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt, très vite. Bisous.